j'aime beaucoup l'odeur en fait. Elle est assez fine et il y a beaucoup de peps juste à l'odeur. Il y a beaucoup de peps. Aussi bien pour le thym que pour les herbes de Provence, la couleur elle est vraiment fantastique. La texture, je trouve que c'est, ça se tient vraiment, donc il y a quand même une mâche, c'est pas quelque chose qui va être trop fin ou trop comme souvent c'est le cas sur cette typologie d'herbe. C'est pas quelque chose qui est trop sec, qui a des années de sécheresse derrière elle, elle a l'air fraîche. On a ce que je retrouve ouais, du jardin, ce côté marjolaine, origan un petit peu qui est agréable. On n'était pas ailleurs que dans le thym. C'était doré, c'était bien séché, c'était bien fait, c'était très chouette. C'était vraiment très, très inspirant. L'idée, c'était de travailler sur l'infusion de l'herbe de Provence. Je suis partie sur de l'asperge verte et j'en ai fait une panna cotta. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai infusée dans le lait qui m'a servi à faire la panna cotta.